Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Geoffroy d'Astier de la Vigerie, qui vient de publier aux éditions Jourdan Darlan, la fin d'une énigme. Nous allons donc aborder cette question importante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est la question de l'assassinat ou de l'exécution de l'amiral Darlan, selon le point de vue que l'on adopte, hein, qui intervient à la fin de 1942, un événement qui pèsera évidemment lourd dans la suite des événements. Alors, Monsieur Dacier de la Vigerie, vous avez déjà publié, je crois, des ouvrages consacrés à l'histoire de cette période, à l'histoire de la résistance. Vous êtes le descendant d'une famille qui compte de nombreux acteurs durant cette période, et notamment pour ce qui concerne l'épisode que nous allons évoquer aujourd'hui, vous êtes le petit-fils donc de François d'Astier de la Vigerie, qui était un militaire, un officier général, je crois, hein, qui a pris une part importante au complot, qui d'abord a permis le débarquement allié en Afrique du Nord, et ensuite qui a abouti donc à l'exécution de l'amiral Darlan. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à publier cet ouvrage, à reprendre l'enquête sur le sujet ? Oui, je tiens à préciser à propos de ma famille, en fait, que c'est un cas assez unique, en fait, dans l'histoire de la résistance, puisque mon grand-père, dont vous parlez, en fait, et ses deux frères ont été tous les trois faits compagnons de la Libération, ce qui est unique, en fait, dans l'ordre de la Libération. Mmh. Et que mon père lui-même a été un grand résistant, puisqu'il a été médaillé de la résistance avec la rosette. Et que le général de Gaulle, s'il n'a pas fait compagnon de la Libération, c'était parce qu'en fait, il voulait pas susciter de jalousie. Ouais, donc, ça aurait fait un peu trop quatre à la fois. Mais il faut savoir que tous les enfants d'Henri d'Assier de la Vigerie, qui était en fait beaucoup plus impliqué dans ce complot en Afrique du Nord, lui, ses quatre enfants ont été médaillés de la résistance avec la croix de guerre, en fait, voilà. Mmh. Donc c'est une tradition familiale qui ne pouvait que motiver votre curiosité. Une tradition familiale, une famille de militaires, en fait, génération en génération, vraiment au service de la France. Mmh. J'ai été en fait marqué dans mon enfance par ces cérémonies, par le fait qu'à l'époque, en fait, le nom de famille était beaucoup plus connu qu'il ne l'est maintenant, puis on était plus près de la fin de la guerre. Et c'est vrai que en fait, j'ai écrit donc des ouvrages concernant ma famille. Et que cet épisode, en fait, de la guerre en particulier, m'a intéressé en 1979, quand Alain Decaux s'est emparé de l'histoire. Mmh. Cette histoire, il a fait une émission qui a eu énormément de succès, en fait, donc en 79, et à l'époque où il y avait encore des acteurs et des témoins. Voilà. Et la seule survivante des protagonistes de cette affaire, donc de cet assassinat de Darlan, on l'appelle l'assassinat d'une manière générale, dans ma famille on appelle ça une exécution, en fait c'est la femme d'Henri d'Astier qui était présente, en fait, donc aux côtés de son mari Henri, donc à cette époque-là, et qui était encore vivante quand Alain Decaux donc a fait son émission, qui a eu beaucoup de succès, et qu'il a fait témoigner. Et ma tante, Louise d'Astier de la Vigerie, en fait, était là lorsque le comte de Paris, puisque le comte de Paris, bien entendu, est très impliqué dans cet épisode, a donné l'ordre, en fait, très clairement, à Henri d'Astier, qui était donc dans cette chambre, en fait, puisque le comte de Paris était alité, en fait, dans l'appartement d'Henri d'Astier, rue Lafayette à Alger. Et donc, elle était présente quand il a donné cet ordre qu'il fallait le plus rapidement possible éliminer Darlan. Il y avait également présent, en fait, l'abbé Cordier, qui était le secrétaire particulier, l'homme de confiance d'Henri d'Astier, qui vivait chez Henri d'Astier. Et voilà. Et donc, la seule survivante, en fait, c'était donc ma tante qui s'est exprimée, témoignée, en fait, de la façon. Et ce que j'ai constaté, en fait, au fil
des années, c'est qu'en fait, cet épisode en fait a été chargé de mystère, d'énigmes, si je peux dire. Et en fait, vous sous-titrez votre ouvrage d'ailleurs, Darlan, la fin d'une énigme. Oui, en réalité, le titre, ça c'est le, bon, j'avais le titre initial, c'était l'exécution de Darlan, la fin d'une énigme. Oui. Puisqu'en fait, c'est pas Darlan qui est une énigme. On connaît maintenant en fait le parcours de Darlan. En lui-même, c'est pas une énigme, mais cet épisode, en fait, les conditions de sa mort, le demeurer, où il a été tué, voilà, ça a suscité en fait de nombreuses thèses. Voilà, par exemple, la thèse que c'était les Anglais qui avaient organisé ça, que c'était les Américains, que De Gaulle était derrière cette. C'est une thèse qui prévoit encore que De Gaulle était derrière en fait cet assassinat. On a dit aussi que c'était juste en fait finalement à l'issue d'un tirage au sort auquel Bonnier de la Chapelle s'était adonné, qu'il avait été désigné et puis que finalement il n'y avait pas eu de complot. De complot, c'était une initiative voilà. De Bonnier de la Chapelle. Donc il y a eu plein de choses et puis plein de... Voilà. Pourquoi il y a eu tous ces doutes et toutes ces pardons? Tout simplement parce que le dossier d'instruction en fait avait disparu. Et nous ne connaissions en fait à l'époque de cette affaire, à l'époque où Alain Decaux en fait en parle en fait et la rend en fait au grand public, nous ne connaissions de ce dossier d'instruction que moins d'une dizaine de pièces en fait de cette instruction qui avait été en fait publiée en fait par un journaliste en 1950 et c'était insuffisant parce que évidemment, on peut bien se douter qu'il y avait beaucoup plus que 10 pièces, même si c'était des pièces intéressantes qui désignaient nommément Henri d'Astier, l'abbé Cordier, mais c'était pas suffisant pour reconstituer les chevaux tout, de l'affaire. D'où toutes ces thèses qui sont apparues. Voilà. Et en fait, moi, personnellement, en fait, dans ma famille, bien entendu, par mon père, par mes tantes, les filles d'Henri d'Astier, que j'ai bien connues, en fait, j'ai beaucoup dit, enfin, je connaissais, en fait. Et j'ai donc pas attendu longtemps pour donner, en fait, la vérité, en fait, sur cette affaire. Et j'ai donc commencé à faire des publications. Historia a publié un long article que j'ai fait en 1991, qui est, en fait, finalement, un petit peu l'embryon de cet ouvrage. J'ai également fait un site sur Internet il y a une vingtaine d'années où là, effectivement, je suis passé d'une vingtaine de pages à 45 pages avec beaucoup de sources. Mais c'était surtout des sources personnelles, des notes qu'avait prises mon grand-père, qui était mon grand-père que vous citiez tout à l'heure, le général d'aviation qui était l'adjoint du général de Gaulle. En fait, mon grand-père avait été nommé commandant en chef des forces françaises libres, adjoint. Et donc, il était à Alger, en fait, 2 jours avant cet attentat. Donc, j'ai beaucoup de choses, en fait. Mais ce n'était pas suffisant. Et j'étais à l'affût, en fait, d'autres sources. Et ce dossier d'instruction, en fait, qu'on croyait, que le juge d'instruction lui-même, en fait, croyait avoir disparu. Il a écrit un ouvrage en 1980, à l'époque où Decaux... Vous parlez du juge Voiturier. Du juge Voiturier. Il a écrit un ouvrage, en fait, qu'il a intitulé l'affaire Darlan, l'instruction judiciaire. Mais en réalité, un autre ouvrage qui a été publié à titre posthume après sa mort, l'éditeur révèle qu'en réalité, effectivement, il n'avait pas le dossier sous la main. Il a reconstitué de mémoire, 37 ans après, donc, l'instruction, avec toutes les influences qu'il avait reçues et avec uniquement les pièces que tout le monde connaissait. Ce qui d'ailleurs avait fait un tollé parce que beaucoup d'acteurs de cette époque étaient encore vivants, mais ils disaient, mais ça ne correspond pas. Non, il n'a pas arrêté Henri d'Astier lui-même, ce sont les gardes mobiles. Enfin, il a inventé en fait des... Et finalement, il le dit d'ailleurs lui-même dans l'ouvrage, il est mort avant de la publication de son deuxième ouvrage, il le dit lui-même que il était convaincu que le dossier avait disparu. Ce dossier dont il avait fait une copie. En plus, à l'époque,
Il avait fait photographier. Et d'ailleurs, les pièces qui avaient été publiées, en fait, étaient des reproductions des copies, pas de l'original. Mais c'était en fait, des pièces authentiques. Voilà. À partir de là, moi, j'étais à l'affût d'avoir des informations de première main pour étayer, en fait, ce que j'avais déjà dit donc, dans des revues d'histoire et sur ce site qui était... Voilà. Voilà, mais et puis brusquement, j'ai découvert en fait que ce dossier d'instruction existait. Il était en fait, j'ai suivi le parcours, j'étais le premier en fait à le consulter. Ce dossier d'instruction qui était à l'origine au tribunal militaire de Casablanca, non d'Alger d'abord, d'Alger, puisque en fait l'affaire avait été, même si le voiturier était rattaché. Au tribunal militaire de Casablanca, il s'était retrouvé donc à Alger, puisqu'il avait instruit à Alger. Mais en fait, il avait un moment. D'abord, c'était un dossier extrêmement sensible, que le général Giraud avait été, malgré lui, embarqué dans cette affaire de complot, parce qu'en fait, c'était un intime d'Henri d'Astier, en fait. Donc, je dirais pourquoi, en fait. Et donc, c'était un dossier extrêmement sensible, mais qui a été, en fait, sorti du tribunal militaire d'Alger quand De Gaulle est arrivé, en fait, en Algérie et qu'il a, en fait, créé ce tribunal d'armée, disons, d'exception pour juger les traîtres. En l'occurrence, Pucheux, en l'occurrence, Bergeret, qui était l'adjoint de Darlan. Et, en fait, donc, il avait été sorti du tribunal d'Alger. Et ensuite... J'ai reconstitué, en fait, il est allé non plus à Alger, mais à Casablanca. Et puis, en fait, bon, il y a eu, comme vous le savez, l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu les accords d'Évian en 62. Et ce dossier, en fait, à partir des accords, en fait, il est revenu en France. Mais au lieu d'être versé, si vous voulez, aux archives nationales, il a été versé, en fait, dans les archives de la justice militaire. Et ces archives de la justice militaire se trouvent près de Châteauroux, dans une petite commune du Berry qui s'appelle Le Blanc, où il y a une école de gendarmerie, et où là, en fait, il y a justement, en fait, on peut consulter. Mais seulement, le dossier n'était pas exploitable, n'était pas accessible. Il a fallu attendre 2016 que le gouvernement prenne un décret qui avance l'ouverture de certaines archives que les historiens voulaient absolument consulter. Et j'ai découvert que ce dossier existait. Et en fait, ce dossier, en fait, m'a apporté en fait toutes les preuves solides, en fait, qui m'ont permis d'illustrer, en fait, et d'écrire cet ouvrage que vous avez sous la main. Et du reste, en fait, à la fin du livre, j'ai publié en fait un très grand nombre de ces pièces, notamment les interrogatoires d'Henri d'Astier qui manquaient en fait. Oui, donc c'est cette percée documentaire qui vous a encouragé à publier là, aujourd'hui, maintenant, cet ouvrage, Darlan, la fin d'une énigme. Et oui, parce qu'en fait, du coup, en fait, ça m'a permis de faire toute la lumière et de mettre à mal toutes les thèses en fait qui était en cours, en fait. Véhiculé sur la question. Parce que, comme vous le disiez, effectivement, on a évoqué pas mal d'influences ou d'acteurs qui seraient intervenus dans l'affaire, sans que ça soit forcément solidement appuyé sur une enquête documentaire, sur des investigations solides. Sans preuve. Voilà. Alors, revenons-en aux événements eux-mêmes. Il faut d'abord rappeler, je pense, ce qu'est la situation en Algérie, en Afrique du Nord, en novembre 1942, à la veille donc du débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, le 8 novembre 1942, l'opération Torche. Et tout commence en fait avec un groupe qui s'est donné pour mission de favoriser ce débarquement allié. C'est le fameux groupe D5. Voilà, une appellation cette appellation est née en fait juste après le débarquement donc en Afrique du Nord. Certains historiens maintenant en fait mettent en cause en fait cette appellation
parce qu'en fait, il y a eu d'autres acteurs. Il y a eu d'autres gens, oui. Mais il se trouve qu'effectivement, c'est ce groupe des cinq a joué un rôle très important, puisqu'en fait, ils avaient le contact avec les Américains par le biais du consul, en fait, du représentant de Roosevelt, enfin de Robert Murphy, donc à Alger, qui était vraiment le représentant officieux, mais c'était pas officiel de Roosevelt. Et effectivement, ils ont provoqué en fait ce débarquement en organisant en fait en quelque sorte. On ne pouvait pas débarquer en Afrique du Nord sans qu'il y ait une certaine résistance qui neutralise tout au moins les forces de Vichy. Et c'est ce que ce groupe de cinq a tenté de constituer pendant les mois qui ont précédé. Il faut imaginer que Henri Dacier, en fait, était en fait un des personnages les plus importants en fait de ce groupe. Du reste, c'est le seul qui a été fait compagnon de la libération à ce titre en fait, en tant que l'âme de la résistance en Afrique du Nord, et notamment qui a donc effectivement organisé ce débarquement. Ils ont fait venir l'adjoint d'Eisenhower, un certain général Clark, sur les côtes en fait algériennes, pas très loin d'Alger, du reste, à Churchill. Pour mettre au point les derniers. Ils s'étaient adjoints, en fait, ils avaient énormément de contacts. Ils s'étaient adjoints le colonel Jousse, des militaires de haut rang, et le général Masse aussi, qui commandait la place de l'arme d'Alger. Et donc, ils avaient énormément de contacts. Ils pouvaient disposer d'environ 800 jeunes pour neutraliser les forces de Vichy, c'est-à-dire les points névralgiques. Et c'est ce qui s'est passé. Roosevelt a été d'accord, en fait, pour se lancer dans l'aventure, grâce, en fait, à ces cinq. Et finalement, donc, ça s'est bien passé, en tout cas, au moins à Alger, puisqu'en fait, en neutralisant le téléphone, tous les grands policiers, en fait, étaient sous Henri Dacier, en fait, avait... Tous les grands policiers, le préfet de police, en fait, étaient dans ce putsch, en fait, puisque c'était un putsch. Et finalement, donc, les Américains ont pu débarquer, en fait, sans trop de problèmes à Alger. Un peu compliqué un peu ailleurs. Et alors, la question, c'est que juste à ce moment-là, et c'était inattendu, l'amiral Darlan se trouve en Algérie parce que son fils est malade. Oui, Darlan, il faut resituer le personnage. Il avait succédé donc à Laval, en fait, on s'en souvient, en 1941. Et en fait, quand il était donc devenu vice-président du Conseil à la place de Laval, il faut savoir qu'il avait été désigné officiellement successeur de Pétain, qu'il était non seulement ministre de la Marine, mais ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Armée. En fait, il cumulait, il avait un pouvoir absolu. Il se trouve que l'année suivante, en fait, il a été remplacé par Laval, mais il restait chef de toutes les armées françaises, il restait le successeur désigné. Et le fait est que son fils était à l'hôpital d'Alger et très atteint par la poliomyélite, une crise, et il passait pour mourant. L'amiral Fénard, qui représentait en fait Darlan à Alger, a appelé donc Darlan, qui était à Vichy, qui est donc arrivé deux jours avant, il est arrivé le 5 novembre, en ignorant totalement ce qui se passait. Les informations qu'il recevait, en fait, il n'en tenait pas grand compte, il ne pensait pas que les Américains... Il y avait bien des navires qui se déplaçaient, mais ils étaient persuadés que ce n'était pas... – Qu'on voit vers l'Égypte. – Voilà, et il se trouvait là. Quand Henri Dacier s'est aperçu, en fait, qu'ils étaient présents, il avait décidé, donc, qu'il fallait l'arrêter. On l'arrêterait, donc ça ne poserait pas de problème. Mais voilà, le problème, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que le général Giraud, qui avait été, disons, que le groupe des cinq, en fait, avait désigné pour prendre le pouvoir en Afrique du Nord, qui était finalement un général assez maladroit, politiquement parlant, ne se trouvait pas là, en fait, au moment du débarquement. Il était à Gibraltar auprès d'Eisenhower pour discuter de ses prérogatives. Et donc, ce qui se passait, c'est que, qu'est-ce qui allait redonner le cessez-le-feu ? Quand Darlan a réalisé que Alger, était tombé entre les mains des Alliés, là, il a assez rapidement fait un cessez-le-feu à Alger. Mais par contre,
pour ce qui était des restes, en fait, des autres endroits où il y avait des combattants, là, il a dit, attendez, moi, j'attends d'avoir la réponse de Pétain. Enfin, bon, ça a duré 48 heures, cette histoire, jusqu'au moment où les Américains ont tapé du poing sur la table, le forçant à prendre cette décision. Il n'avait plus le choix. Et il s'est mis, du coup, à dos Pétain, Hitler, qui a envahi la zone libre. Et les Américains, en fait, qui sont assez maladroits, en fait, dans, politiquement parlant, qui se sont rendus compte que Giraud n'avait pas beaucoup de charisme, eh ben, ils ont dit, ben, on va miser sur Darlan, puisque Darlan, en fait, il fait tout ce qu'on lui demande. Donc ça va nous faciliter la tâche. En plus, il a un pouvoir sur l'armée française. Il commande la marine. Encore, enfin, ce qui restait de la marine après le drame de Marcel Kébir. Donc finalement, ça les arrangeait, les Américains. Et alors, le groupe des 5 s'est trouvé absolument consterné, en fait, de cette situation. Et alors, donc, on va aboutir à l'assassinat de Darlan, mais alors il semble bien que c'est dans le milieu, à travers ce groupe des 5, dans le milieu royaliste, alors, que les choses se préparent. En fait, il faut savoir qu'Henri d'Astier était royaliste, était, bon, il avait des liens avec le comte de Paris, qu'il avait lui-même, le comte de Paris, dit, dans ses mémoires, dit que c'est même Henri d'Astier qui lui a annoncé l'imminence d'un débarquement. Et le comte de Paris en parle évidemment d'Henri d'Orléans, qui avait succédé à son père en août 40. Et le comte de Paris était l'affût, en fait, d'une situation qui lui permettrait, en fait, finalement, de restaurer la monarchie. Et donc, en fait, Henri d'Astier, dès le 12 novembre, c'est-à-dire, en fait, à peine 4 jours, quand il a été avéré que le Darlan prenait le pouvoir avec l'appui des Américains, eh ben, il a été il a rencontré un résistant qui s'appelle Marc Jacquet, qui est devenu par la suite un ministre du général de Gaulle, mais qui était gaulliste, mais en même temps monarchiste. Lui, il imaginait une espèce de restauration à la Bonaparte, en fait. Tandis que Henri d'Astier était pur et dur royaliste d'Action française. Et le 12 novembre, en fait, d'ailleurs, le Marc Jacquet en a témoigné, on a beaucoup de documents, même de cette époque, quand il a été interrogé, y compris dans le dossier d'instruction, que le complot a débuté à ce moment-là. Le comte de Paris n'était pas encore dans le coup. Et il se trouve que ce Marc Jacquet, en fait, était le plus proche collaborateur d'un certain Alfred Pause, qui va jouer un grand rôle aussi dans ce complot. Alfred Pause, c'était le directeur de la BNCI, qui est l'actuel BNP. Et déjà, à l'époque, la BNCI était un groupement bancaire, en fait, de dimension internationale. En fait, en Afrique, c'était la première banque, en fait, en Afrique. Et donc, il avait des gros moyens. Il était royaliste également. Donc, Marc Jacquet l'a entraîné dans le complot. Henri d'Astier, il a entraîné son homme de confiance, l'abbé Cordier, dont on a beaucoup discuté aussi. Et tous les quatre, ils vont monter ce complot tout en recrutant énormément de monde, parmi, en effet, le groupe des 5, parmi les gens qui avaient résisté. Et en fait, ils sont allés donc rencontrer... Pause et Jacquet, notamment, sont allés rencontrer 2 fois le comte de Paris à Rabat, puisque c'était une... Il avait à Rabat une résidence, même si en principe il n'aurait pas dû y aller, mais bon. Et le comte de Paris s'est laissé entraîner dans ce complot. C'était pour lui l'opportunité de... Bon, il avait déjà pas mal tenté d'autres choses. Il avait rencontré 2 fois Pétain, en fait, parce que Pétain était très âgé, un peu, faut bien dire, un peu gaga. Et il s'était présenté déjà comme un éventuel successeur. Bon, on s'était moqué de lui. Donc il avait... Voilà. Et puis tout d'un coup, voilà, on lui propose ça. Une opportunité inattendue. Alors, ce que vous montrez dans votre livre, c'est que... Ce serait le comte de Paris qui aurait en quelque sorte donné un encouragement ou un feu vert à la liquidation de Darlan par le biais du jeune Bonnier de la Chapelle. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le comte de Paris, en fait, à l'origine, le plan, c'était d'écarter l'amiral Darlan, disons d'une manière un peu plus républicaine, en fait, puisqu'en fait, il se trouve que l'Algérie, en fait, était, en fait, avait 3 départements français. Et là, en fait, sous le biais d'une loi, en fait, qui s'appelle la loi Trévenoc, en fait, quand, de la mesure où, en fait, il n'y avait pas vraiment de parlement libéré, en fait, mais par contre, il y avait effectivement ces 3 départements qui venaient d'être libérés. Et donc, en fait, il était possible que que les présidents des conseils généraux, finalement, élisent un nouveau gouvernement.
Et donc, c'est ça, ils ont voulu miser là-dessus. Et le comte de Paris s'est laissé embarquer en pensant qu'effectivement, et Henri d'Astier et Pose, en fait, avaient mis dans leur poche ces présidents des conseils généraux, en fait, de ces départements. Donc, en fait, c'était, voilà, on a, d'ailleurs, il le dit, le comte de Paris, il le dit dans ses mémoires, et ben, on avait décidé que le 18 décembre, et ben, on viendrait, et on, avec Pose en tête, qui était le ministre de l'économie, en fait, de Darlan. Il faut voir qu'entre-temps, Henri d'Assier était devenu le ministre de l'Intérieur, en fait, dans le gouvernement de Darlan, parce qu'il s'était dit qu'en fait, évidemment, il pourrait mieux comploter en étant dans le gouvernement de Darlan. Donc il y avait quand même des personnalités, en fait, dans le gouvernement de Darlan qui étaient, en fait, impliquées dans ce complot. La moitié d'Alger était au courant, en fait, de ce complot. Voilà. Alors malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Une question simplement pour terminer, c'est celle relative au rôle du général de Gaulle dans cette affaire, parce que certains n'ont pas manqué, évidemment, de suggérer la disparition de Darlan en favorisant la France libre, la France gaullienne, il aurait pu intervenir. En fait, il aurait pu intervenir par le biais de mon grand-père, qui était son adjoint, et que de Gaulle a envoyé, en fait, qui a missionné, justement, quelques jours avant cet attentat. Mon grand-père, effectivement, a rencontré le comte de Paris, et le comte de Paris explique dans ses mémoires qu'il l'a rencontré, donc, évidemment, c'était... personne ne le savait, mais le comte de Paris l'explique, en fait, que mon grand-père lui a dit qu'il fallait écarter Darlan d'un pouvoir illégitime. Et mon grand-père, en fait, haïssait, en fait, l'amiral Darlan, qui commandait donc la marine pendant la guerre en mai et juin 40, et mon grand-père commandait l'aviation sur le front nord. Et mon grand-père avait rencontré Darlan à maintes reprises, au moins deux fois, et il était d'accord pour continuer la lutte en Afrique du Nord. Et puis finalement, il a retourné sa veste, comme on le sait, il est devenu ministre de la marine de Pétain. Donc mon grand-père arrive à Alger, et évidemment, il y a eu quand même des liaisons avec, après le débarquement, avec mon grand-père. On savait qu'Henri d'Assier faisait office de ministre de l'Intérieur. Il avait sous la main, il contrôlait toute la police et le renseignement en Afrique du Nord. Et donc voilà, mon grand-père arrive. Et c'est lui, en fait, qui va finalement convaincre, en fait, mais de son point de vue personnel, qui va convaincre le comte de Paris qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une élimination, en fait, violente. D'accord. Et le comte de Paris, à ce moment-là, qui était alité chez Henri, en fait, rue Lafayette, deux jours après, va finalement donner l'ordre, comme je le disais, comme en a témoigné donc ma tante Louise. Et effectivement, là où il y a eu des discussions par la suite, on a dit que, mais oui, mais enfin, François d'Astier, bon, en fait, il a donné un mais c'est de Gaulle qui est derrière tout ça. En fait, non, ça n'a pas, en fait, ça n'a pas bénéficié au général de Gaulle, puisque on le voit bien, c'est général Giraud, qui était un rival bien embêtant, qui a pris le pouvoir. Et en fait, même de Gaulle, était assez mécontent, en fait, de ça, parce que, en fait, il trouvait que, justement, il était plus utile vivant que mort. Enfin, le fait est qu'il a fallu d'abord écarter Giraud avant de... il a pas... Donc, en fait, ça ne l'a pas vraiment arrangé. Et il était même très mécontent, en fait, de ce qui s'est passé, puisqu'on sait que Bonnet de la Chapelle, c'était l'agent de liaison d'Henri, et qu'effectivement, le lendemain, enfin, le jour même que le comte de Paris a donné cet ordre à Henri d'Assier, ben, Henri d'Assier s'est tourné vers son agent de liaison, Bonnier de la Chapelle, qui l'a armé avec, enfin, on le sait, ça, on connaît tous les tenants aboutissants. Merci beaucoup, Geoffroy d'Assier de la Vigerie. Nous pourrions épiloguer sur cette question encore pendant longtemps. Malheureusement, notre émission est terminée. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Darlan, la fin d'une énigme, aux éditions Jourdan. C'est un travail d'investigation très rigoureux et tout à fait passionnant. Merci. Merci à vous.